émission. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous saluons tous nos frères et sœurs au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et surtout, vous souhaitez un très bon dimanche. Il y en a de ceux qui sont dans des églises. Et il y en a aussi de ceux-là qui n'ont pas eu le privilège d'être dans des églises. Au travers des médias, donc nous allons entrer dans vos maisons. Et nous allons essayer de parler un peu de la part de Dieu. Encore une fois, donc, avec beaucoup de respect, comme nous en avons déjà l'habitude, je vous demanderai de vous tenir debout et de lire la parole du Seigneur dans le livre de Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4, verset 6. Je vais lire ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Laisse-moi relire cela pour une très bonne compréhension. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puisse Dieu bénir la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Juste une petite prière. Seigneur, béni la lecture de ta parole. Nous la lisons, Seigneur, comme tous les enfants qui ont été à l'école. Mais l'interprétation vient de toi. Laisse que le Saint-Esprit nous prenne et nous mette de côté pour que lui-même parle et touche le cœur de quelqu'un. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ainsi. Amen. Amen. Ok, nous sommes en train de continuer à parler sur la connaissance qui délivre, ou de la connaissance qui sauve. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé un peu de me contacter, qui voudraient aussi peut-être étudier dans la même université où j'ai fait mon école biblique. Mais écoutez, mon souci quand j'ai présenté les diplômes, c'était de vous démontrer que ce n'est pas cette connaissance-là. Bien que j'ai ces diplômes, mais comme Paul, je me considère que cette connaissance-là n'est pas celle-là qui peut sauver. Et je crois qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre de quel genre de connaissance nous allons parler. Mais cela n'empêche que celui qui a besoin, qu'on lui donne l'adresse, nous allons vous les donner même à la fin de cette émission, à la fin de ce culte, comme ça vous-même pouvez entrer en contact. Bien que les conditions sont devenues un peu difficiles pour ceux qui vivent en Afrique pour entrer à l'école, mais on va vous donner les adresses. Ok, mais continuons un peu à parler de la connaissance. Parce que nous avons vu que le monde est devenu ce qu'il est. Le monde est détruit par la connaissance. Souvenez-vous que Dieu, quand il planta son jardin d'Éden, et qu'il a mis son fils et sa fille, il leur a dit que vous pouvez manger de tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en toucherez pas. Car le jour où vous allez toucher, vous mourrez. Et comme vous le savez, quand il y a la loi,
loi, il y a aussi la mort. Car la loi, c'est la police. La loi, c'est le gendarme. La loi, c'est l'organe qui t'amène en prison. Mais la grâce, c'est celle qui te fait sortir de la prison. Or, quand Dieu dit, tu ne mangeras pas, mais que l'homme a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est comme ça qu'il y a eu la mort. Sinon que l'homme devait vivre éternellement. Mais le faux pas est entré quand l'homme a voulu manger ou a mangé l'arbre de la connaissance. En mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort s'est introduite dans le monde. Et comme la mort est entrée par la connaissance, voilà comment Dieu aussi insiste pour ramener la délivrance par la connaissance. La mort par la connaissance. La vie aussi doit entrer par la connaissance. Et vous allez voir que ce sont deux connaissances qui se battent l'une contre l'autre. Il y a la connaissance de la vie et il y a la connaissance du bien et du mal. Et la connaissance du bien et du mal amène le monde dans le chaos. Tandis que la connaissance de Christ nous amène à la vie. Parce que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissance. Nous avons lu cela même la fois passée dans le livre de Colossiens chapitre 3, chapitre 10, Colossiens 3, 10. La Bible nous dit ceci, Colossiens chapitre 3, verset 10, il est écrit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je reprends encore. Et ayant revêtu l'homme nouveau, cet homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Comment cet homme nouveau que nous recevons par la nouvelle naissance, parce que pour entrer en Christ il faut une nouvelle naissance, mais cet homme nouveau, on nous dit qu'elle se renouvelle, il se renouvelle par la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc si vous voulez être renouvelé, l'arme appropriée, je ne sais pas pourquoi on ne nous l'a pas balancé ce verset là. On a mis un stagiaire. Ah bon? Bon, mais bon, nous allons faire avec parce que ça fait toujours du bien. Quand nous lisons, nous voyons et tout et tout. Pour que quelqu'un, parce que nous avons compris, TPT doit quand même faire un peu la différence. Amen. Amen. TPT doit briller un peu. Vous savez, même quand je fais les émissions ici, j'ai été abordé par d'autres télévisions. Mais moi j'aime être fidèle dans ce que je fais. Ils sont venus me voir, non, viens faire l'émission chez nous. Parce qu'il y a quand même un impact ici là. Et nous voudrions et aimerions bien que ce travail soit bien fait. Gloire à Dieu, nous continuons. Que ce tome nouveau sera renouvelé par la connaissance. Alors nous allons directement essayer un peu d'entrer dans le bain. Que le monde est mort par le reniement de la connaissance de son identité. Écoutez frère, quand Dieu crée Adam et Ève, la Bible est claire là-dessus. Dieu
créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu l'a dit. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cet homme-là, celui qu'on appelle Adam, ou en hébreu Adama, Adama veut dire de la terre rouge. Quand Dieu le crée, cet homme était en même temps masculin et féminin. Parce que l'homme que Dieu a créé, parce qu'il y a un homme créé et puis il y a aussi un homme formé. Mais l'homme créé était en même temps masculin et féminin. C'est un homme spirituel, un homme esprit. C'est cet homme là Adama. Cet homme ici était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ce premier enseignement soulignez-le très bien. L'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel qu'était Dieu, tel qu'était cet homme. Nous sommes d'accord. L'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Souvenez-vous cet homme qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam, l'homme, et tu homme, cet homme ici là. Mais après, l'homme a commencé à vouloir être comme les animaux. Parce que le premier homme, il avait sa femme en lui. Il avait cette dualité de personnalité. Il était duel. Il était un homme. Il était une femme. En esprit, bien sûr. C'est dans cet homme-là qu'il y a eu un enseignement de la part de Dieu. Dieu lui a dit, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet homme était exactement comme Dieu. Un fils de Dieu. C'est Dieu lui-même sous une autre forme. Et beaucoup de gens seront à choper. C'est comme ça que beaucoup de gens ne comprennent même pas la divinité du Seigneur Jésus Christ. Beaucoup de gens, quand on dit Jésus est fils de Dieu, vous ne pouvez pas faire avaler ça un juif que Dieu a un fils. Mais quand on vous dit à un juif fils de Dieu ou à Mashiach, ça veut dire Dieu qui prend une autre forme. Voyez, quelque chose qui ressemble à Dieu mais dans une autre forme. Voyez, c'est comme cela que les juifs ont tué Jésus, hein? Et Jésus lui-même dit, pour quelle bonne œuvre vous me tuez, vous me persécutez. Ils lui ont dit, c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et Jésus répond, c'est parce que je vous dis que je suis fils de Dieu. Voyez, les juifs comprennent, fils de Dieu veut dire Dieu dans une autre forme, ou à Mashiach, ou le Messie. Voyez bien mes frères, maintenant cet homme qui était dans la dualité, avec une dualité de personnalité, masculin, féminin, Dieu lui dit, tu es créé à mon image et à ma ressemblance. L'identité, la carte d'identité, l'acte de naissance de cet homme, Adama, est un fils de Dieu, exactement comme Dieu. Frère, Adam n'est pas sorti d'une mère. Adam n'avait pas de cordon ombilical. Le même jour il est sorti, c'est le même jour qu'il a parlé, c'est le même jour qu'il a marché, c'est le même jour qu'il a mangé. Gloire à Dieu. Adam n'était pas un bébé, c'était déjà un homme mature comme Dieu. Alléluia. Amen. Il était un Dieu amateur. Voyez, mais cet homme a voulu se ressembler aux animaux. Il regarde les animaux, c'était deux. Mais lui il était deux, mais deux en un. La
dans un seul bloc. C'est comme ça que Dieu regarde au ciel. Il dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Parce que quand il est seul comme ça, mais comme vous le savez en réalité, il n'était pas seul. Parce qu'il avait l'esprit masculin et féminin. Mais dans un même bloc. C'est comme ça que quand Dieu termine la création, pour les lecteurs de la Bible, ils savent que l'homme fut créé le sixième jour. Ça veut dire quand Dieu crée le sixième jour et qu'il a chanté son refrain de tout le temps. Parce que chaque fois quand Dieu créait, il avait une phrase qui revenait tout le temps. Et cette phrase était, tout était bon. Quand il crée le monde, tout était bon. Quand il crée le deuxième jour, tout était bon. Troisième jour, tout était bon. Quatre, tout est bon. Cinq, tout est bon. Mais c'est dans le sixième jour que le refrain l'a changé. Il dit, il n'est pas bon que cet homme ici soit seul. Vous voyez, un célibataire n'est pas une bonne vie. Un célibataire n'est pas bon. Oui. Il y a même des célibataires, mais qui trompent, qui aiment coucher avec les femmes d'autrui. C'est pas une bonne chose. Et cet homme ici, Dieu va le faire coucher dans un profond sommeil. Oh, laissez-moi vous parler du mystère du profond sommeil. La femme d'Adam est sortie dans un profond sommeil. Adam n'a pas cherché la femme avec les yeux, mais il était dans un sommeil. La femme d'Adam est sortie pendant le sommeil. C'est comme ça aussi que Jésus-Christ, notre second Adam, quand il était à la croix et qu'on a percé ses côtes, il est entré aussi dans un mystère du sommeil. Il dormait, il était mort. C'est en ce moment-là que de ses côtes, parce que le premier Adam, la femme, les matériaux pour créer Ève, pour former Ève, ont été pris des côtes. Vous voyez, c'est par les côtes qu'on a fait Ève. C'est pour dire que la femme, c'est la 13e côte de l'homme. Vous voyez, tu as récupéré une côte pour la faire. En réalité, tu as récupéré les matériaux. Et à la croix aussi, Dieu aussi a amené notre second Adam à recevoir, il ici la lance, et d'entre ce corps, Dieu récupère les matériaux pour faire son épouse. C'est-à-dire l'eau et le sang. C'est avec l'eau et le sang que Dieu a eu son épouse. Mais c'est toujours dans le profond sommeil. Jésus mourait à la croix. C'est là que les matériaux sont sortis. Adam dormait un profond sommeil. C'est là que les matériaux sont sortis. Et si toi aussi tu veux avoir une bonne femme, ne commence pas à ouvrir les yeux. Aller dans des rues, dans des boîtes de nuit. Voilà pourquoi tu as échoué. Tu cherches la femme avec les yeux grandement ouverts. Ferme les Dieu, mets-toi à genoux. Entre dans le mystère du profond sommeil. Prie Dieu. Les jolies femmes, il y en a beaucoup. Des femmes corpulentes, il y en a beaucoup. Mais qui trouvera la bonne femme? Et ceci, c'est une mathématique dans ces derniers jours. Trouver une bonne femme. Vous voyez, il y a des ceux qui se disent, bon, laisse-moi aller dans mon village, je trouverai une femme avec laquelle on parlera les mêmes patois. Peut-être qu'on se comprendra. Mais moi je suis pasteur. Ça me fait des dizaines, des vingtaines d'années. Je vois des gens qui parlent le même langue, le même patois, mais qui se séparent. Il ne s'agit pas ici de parler la même langue. Il s'agit d'être la cote. Être la cote.
Alors pour la trouver, il faut les yeux fermés. Refermons la parenthèse. Mais je voudrais vous faire voir que la prédication, la première prédication de Dieu à Adam, tu créas l'image de Dieu et à la ressemblance. Sixième jour, Dieu termine le boulot. Ève n'était pas là physiquement. Elle n'était pas là. Donc quand Dieu parlait à cette dualité de personnalité, il s'adressait à l'homme. Je parle ici à l'homme créé. Et la femme était dans l'homme. Mais comme l'homme voulait la séparation, avoir un être séparé de lui, Dieu était obligé de le faire dormir et de retirer la femme. Et quand l'homme se sépare de son être cher par le mystère de côte prise, il se réveille, voilà que la femme lui fut présentée dans un défilé formidable en Éden. Voilà pourquoi Adam a dit, cette fois-ci, c'est comme s'il y a eu beaucoup de fois. Gloire à Dieu pour le message. Non, frère Branham nous a montré la Bible, c'est quoi? Donc Adam a dit, voici cette fois. Donc c'est comme s'il y a eu beaucoup de fois, mais il n'avait pas trouvé la bonne femme. C'est comme ça qu'il dit, cette fois, l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, la mère de tous les êtres vivants. Ève. Ève. Bien-aimés frères, la Bible dit, Adam n'était pas en Éden. Adam n'était pas en Éden. Quand le serpent ancien est venu, parce que c'est lui qui a écouté le premier enseignement, c'était Adam. Ève n'était pas là physiquement. C'est pourquoi l'arbre ne tombe que du côté où il est penché, et la chaîne, la mesure où on voit les tests de résistance d'une chaîne, c'est dans son maillon le plus faible. On regarde si la chaîne est dure par son maillon le plus faible. Et le diable savait que s'il croisait Adam, Adam allait lui répéter la première connaissance qu'il a eue de Dieu. C'est pourquoi il a profité quand Adam n'était pas là. Était-il parti où? Comme il était gouverneur de l'Éden, peut-être qu'il était parti rendre visite au lion. Hein, c'est juste une scénette. Peut-être qu'il était parti voir comment les biches se nourrissaient. Peut-être qu'il voyait les arbres. C'est en ce moment-là que les serpents. Et les serpents dont je parle n'est pas les serpents que vous voyez aujourd'hui. Celui qui rampe, celui qui rampe est un serpent maudit. Mais celui qui est en Éden, celui qu'on n'a pas maudit était debout. Alléluia. Amen. Oui, demandez-moi comment il était debout. Oui, parce que quand il y a eu le péché, Dieu dit, toi serpent, parmi les punitions, hein, parce que quand il y a faute, il y a sanction. Quand Dieu est descendu, il dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Parce que Dieu ne pouvait demander de compte que à son fils, parce que c'est à lui qui était le chef. Mais la nature de l'homme, il y a que des mounes. Ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Dieu avance à la femme. C'est pas moi. C'est le serpent. Et dès qu'on arrive au serpent, voyez, la chicotte de Dieu était sur Adam. Adam refuse sur Ève. Ève refuse sur le serpent. Le serpent refuse. Et vous savez où est partie la chicotte? Sur l'innocente. Sur la terre. Dieu frappe la terre. Toi, tu ne produiras plus jamais. Il y aura des ronces et des épines. Hein? Frère, toi qui vis toujours une mauvaise vie, toi tu es bien avec tes alcools, tu es bien dans des hôtels,
Mais quand tu entres avec cette mauvaise vie, c'est parfois toujours les innocents. Les bébés que tu as à la maison, c'est celui qui tombe malade. Alors que les pécheurs se tuent. Faites attention. Frère bien-aimé, Adam n'était pas. Lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il n'était pas. C'est comme ça que les serpents arrivent. Et je vais vous montrer qu'il n'était pas là. Alléluia. Il n'était pas là. Les serpents viennent avec la prédication. Dieu a-t-il réellement? Il a-t-il, frère, il avait réellement dit. Mais il avait dit à qui? Adam. Or, à l'homme que Dieu a dit, l'homme là n'était pas là. Donc on profite toujours de l'innocence de la personne qui n'était pas là. Et il commence sa prédication. Oh, Dieu sait. Dieu sait. Le jour où vous mangerez, vous serez comme lui. À son image et à sa ressemblance. Frère, mais si Adam était là, il allait lui dire: menteur, moi-même Dieu m'a dit que j'ai été créé à son image et à sa ressemblance. Mais Ève, comme elle n'était pas là, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout est vieux. Mais c'est toi qui n'étais pas là. C'est toi qui n'as pas écouté cette vérité. Adam, s'il était là, le monde n'allait pas être ce que nous avons. Il allait riposter. Il allait dire au serpent. Et comme je disais, Adam n'était pas là, c'est vrai. Parce que le serpent a fait voir la beauté du fruit, la beauté de l'arbre. Et Ève en a mangé. Elle en a mangé. Et la Bible dit, quand Adam vient, elle fait voir. Elle commence à faire voir ce que le serpent lui avait montré. Vous voyez, donc c'est là où Adam n'était pas. Il commence à lui faire voir la bonté de l'arbre. Et Adam, laisse. Tu m'as toujours prêché. Mais j'ai eu un prédicateur. Ah, Bika. Quand il parle, c'est grave. Un homme terrible. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tel que nous sommes là, nous ne sommes pas l'image de Dieu. Comment nous ne sommes pas l'image de Dieu? Il a dit, si nous voulons être à l'image de Dieu, si nous voulons nous ressembler à Dieu, le secret, c'est que l'arbre, ma chérie. Et là où nous en sommes, c'est comment? Moi j'ai déjà mangé. Adam qui était comme Christ. Adam qui était comme Christ. Pouvait laisser Ève mourir seule. Parce que lui, il était détenteur de la vraie connaissance de qui ils étaient. De qui ils étaient? Ils étaient des hommes. Frère, voilà de cette connaissance dont je parle. De cette connaissance qui peut enlever l'homme de la poussière. C'est la connaissance de savoir. Non pas des tomes de livres. Mais le gnosis. Connaître qui tu es. Es-tu venu à pointe noire? Seulement vous connaissez là-bas. À partir de là-bas.
ou c'est seulement pour manger ou coucher avec les femmes. Depuis que tu as commencé, qu'est-ce que tu as eu comme diplôme? Tu ne vois pas que le but pour lequel tu as été créé. Frère, tu as connaissance sur la zoologie, tu as la connaissance sur la géographie, mais est-ce que tu as la connaissance sur toi-même? C'est ça la première usurpation. Usurpation d'identité. En Éden. Le jour où. L'omboïna. Frère. Pangui. C'est faux. Le voulou. Ce n'est pas le jour où. Yakave l'omboïna. Mais déjà. Kasnakupanda. Ils étaient. Avandaka. Créés. Vanga kabaou. À l'image. Nakizizi. Et à la ressemblance. Nakufwanakana. De Dieu. Yanzambi. Vous savez, frère. Zaba pangui. Les scientifiques un jour. Bangangmaïla numumosi. Ils ont mis les thermomètres industriels. Batulaka thermomètre baba mayela baou. Au soleil. Nantan. Pour calculer, ils ont vu le degré de Celsius. Ils ont vu le degré de la lumière, de l'intensité de la chaleur. Ils sont venus avec les mêmes matériaux. Ils ont mis ça sous terre. Ils ont creusé la terre. Il y a une partie de la terre qu'on appelle le magma. Des larves de chaleur. Et dès qu'ils ont mis, ils ont trouvé que le magma avait la même température que le soleil. Mais ils se sont posé la question. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ne savent pas que la terre que vous voyez est sortie du soleil. À l'image et à la ressemblance du soleil. C'est là où la science nous parle de ce grand bang, le boom. Le grand boom bang, le grand boomerang, de cette chose qui a eu lieu, cette explosion qui a eu lieu du soleil, sont sortis de scories et ces scories là sont des planètes, et de cette même manière la terre est sortie du soleil. Voilà pourquoi tous les planètes, toutes les planètes sont en train de rôder autour du soleil, parce que c'est lui la planète maîtresse. Et même Dieu lui-même, Jésus, est considéré comme le soleil, le chef de toutes les planètes. Voyez, même toi que je parle, tu ne connais pas qui tu es. Si je mets le thermomètre et que je mets en Dieu et que je viens, je mets aussi le même thermomètre dans ton âme. C'est la même température. Tu es comme Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Amen. Et comme Dieu ne boit pas l'alcool, si tu connaissais qui tu étais, tu n'allais pas boire. Voilà la connaissance qui peut prendre un homme sans même qu'on mette de l'eau autour de lui. Connaître seulement qui il est. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible parle. Ouf. Je vais lire quelque chose ici. 1 Corinthiens 13, verset 12. Je peux même commencer au verset 11. Il est écrit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons, ça c'est verset 7, 12. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai. Amen. Alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Quand Jésus viendra, nous allons connaître. Et nous connaîtrons comme nous avions, comment nous avions été connus. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il y a eu en Éden? Le reniement de l'identité. Et quand Jésus vient, il redonne à l'homme la mémoire de la connaissance de ce qu'il a été. Qu'est-ce que tu as été? Tu es né de Monsieur Mavula. De Maman Léonie, je ne sais pas qui. Mais est-ce que tu sais, avant d'être cette masse de chair, tu étais quelque chose dans le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut... Frère, écoutez. Tout ça là aussi, c'est le problème des prédicateurs. Nous devons parler de prédicateurs. Vous savez que dans la Bible, on dit que les prédicateurs sont comparés à des sentinelles. Sentinelles. Ah, laissez-moi lire. Ils sont des sentinelles. Ésaïe chapitre 21. Verset 11. Ésaïe 21, verset 11. Oracle sur Dumas. On m'écrit de Seir. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ces jeunes gens qui ont commencé à mettre les choses. Que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous. Et revenez. Frère, dans des anciens temps, quand on construisait des villes, il y avait une place spéciale pour la sentinelle. Et la sentinelle avait des qualités. C'est aujourd'hui là au Congo où le travail de la sentinelle, c'est un travail méprisable. Hein? Les sentinelles sont payées à 50 000 francs. 30 000 francs. Est-ce que tu connais qu'est-ce qu'on appelle la sentinelle? La sentinelle, c'est celui qui veille. Quand toi tu dors. C'est-à-dire quand tu dors. Ta vie est entre ses mains. C'est pourquoi la sentinelle, c'est un homme de confiance. C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir de problème avec celui qui dort. Parce qu'il peut même s'entendre aussi avec les gens pour te faire du mal. Voyez, il peut même s'entendre avec de vos deux bandits et on peut te tuer. La sentinelle, c'est un grand travail. C'est celui qui veut. Mais la sentinelle devait avoir des qualités. Ce n'est pas n'importe qui était sentinelle. Et la sentinelle aujourd'hui, c'est le prédicateur. Voyez, la sentinelle devait un. Avoir une bonne vision. Amen. Voir très bien de loin. Une oreille très 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 bien. Bonne acuité, donc il peut entendre de loin. Dans la tour de la sentinelle, on ne mettait pas de myopes. Celui qui ne voit qu'à 3 mètres, non. C'est celui qui a l'homme là, qui a la bonne vision. Et pas seulement ça. L'homme là devait aussi avoir la connaissance des étoiles, des astres, pour annoncer le climat. Pour annoncer les pluies, pour annoncer les catastrophes. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a même il y a un pasteur qui était venu dans le message de William Branham. En d'autres termes, donc, il était venu chez nous. Et il m'a écouté en train de prêcher sur les zodiacs. Maman, toi, Branham. Le jour de Branham. Magie. Magie. Il y a une magie. Ça, oh. C'est la magie. Oh. Attends, attends. Vingila tete. Attends. Vingila. Je vais lire dans la Bible. Moketang nakata Biblia. Je vais prendre le livre de Job. Mokebaka buku ya Yobi. Job 38. Yobi makumita tu nanana. Verset 11. Ndila kumina mosi. Job 38, verset.
38 verset 31. S'il vous plaît, j'aimerais bien que nous balancions un peu ces versets, s'il vous plaît. Job 38, 31. Voilà. Nous tuons le lien de Pléiade. Qu'est-ce qu'on appelle Pléiade? Ça y est, dans la Bible, est-ce que tu connais les Pléiades? Les Pléiades sont des constellations. Ça, c'est Dieu qui pose la question à Job. Hein? Où détaches-tu le cordage de l'Orion? L'Orion, là, c'est qui? Ce sont des astres, ce sont des constellations. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc il y a des astres qui ont des pouvoirs sur la terre, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a des choses naturelles que Dieu a établies. Comment par exemple quelqu'un qui a des nerfs, dès que la lune sort, lui devient comme on ne comprend pas. Ce sont des choses naturelles, c'est pas la sorcellerie. Dieu dit les astres ont un pouvoir sur la terre. Et Dieu parle du zodiaque, hein, comme on appelle ça en hébreu, les mazala. C'est les mazala, ce sont des astres qui sont en train de briller. Et la sentinelle devait avoir la connaissance des mazala ou des mazarot. Il devait étudier les étoiles par leur figure. D'ailleurs, les gens qui sont venus voir Jésus, ce sont des observateurs des étoiles qui ont regardé. Parce que Dieu, sa première Bible, ce n'est pas celle-ci. Ça, c'est la Bible des intellectuels. Mais la première Bible de Dieu, c'est la nature, c'est les étoiles. C'est comme ça que les mamans ont vu. Nos papas au village sont des prophètes. Tu vois seulement quelqu'un qui se met debout, il dit ben kotis babima. Faites rentrer des choses. Mvula, bientôt là la pluie va. Mais comment il a vu ça? Il a lu le ciel. Il a vu les choses. Et il peut annoncer avec exactitude ce qui va arriver. Alléluia. Et toi qui me suis, même Jésus lui-même viendra dans une constellation. Alors il faut que quelqu'un, une bonne sentinelle, pour vous dire avec exactitude que cette constellation là, des anges qui viennent du ciel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Connais-tu leur pouvoir sur la terre? Pourquoi c'est venu? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Connaissance. Kuzaba. Si toi-même tu ne connais pas qui tu es, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne sentinelle. Parce que c'est la sentinelle, les messages qu'il donne à la foule, c'est ce qui amène le changement en bas. Tout le monde n'est pas en haut. C'est toi qui es en haut. C'est toi qui vois. Et puis toi qui es en bas, tu ne dois pas discuter avec l'homme qui est en haut. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas discuter avec lui. Dire oh non, mais quoi? Frère, je vois de loin. Et tel que je vois, je vois, il y a des nuages qui se soulèvent. Ce n'est pas des nuages de pluie. Mais c'est comme des pas de militaires qui viennent. Tu doutes des paroles de la sentinelle? Je vais partir de la cave. Quittez-la.
Il faut que les passent leur temps. Frère, tu crois? Le Covid-19 là, sais-tu? Quelle répercussion ça sur la terre? Ça vient d'où? Nous sommes où? Et après ici, qu'est-ce qui va arriver? As-tu la connaissance de comment le monde est en train de bousculer aujourd'hui? As-tu la connaissance de ce qu'on appelle l'Union Européenne? Pourquoi l'Union Européenne n'arrive pas à intégrer la Turquie? As-tu la connaissance? C'est la connaissance qui te change le comportement. C'est la connaissance qui te dit, le temps n'est plus. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Oh, Jésus. Jésus. La postérité d'Abraham, c'est une citation de Abraham. Bien que nous allons vers la fin. La postérité d'Abraham, paragraphe 38. Verset le 23-4-59. Abraham dit ceci. Eh bien, nous pouvons le voir faire leur chemin. Et bien vite, des disputes ont surgi. Et maintenant, Abraham, agissant comme un chrétien, a montré cette foi de Dieu et l'esprit qui était en lui. Il a donné à Lot de faire son propre choix. C'est ainsi qu'agit un esprit chrétien. Il effectue toujours ses kilomètres supplémentaires. Il donne le manteau. Maintenant lève les yeux. Voici le pays. Nous n'allons pas nous disputer. Nous sommes des frères. Si tu vas à l'est, moi j'irai à l'ouest. Si tu vas au sud, moi j'irai au nord. Mais nous ne nous disputerons pas. Soyez des frères. Car nous sommes de la même famille. Il y a quelques temps, j'ai parlé à un jeune homme. Nous parlions de Dieu. Et j'ai dit, vous voyez l'esprit de Dieu dans un homme. Quand il rencontre quelqu'un, c'est comme le fait de regarder au travers d'un verre fumé. Mais s'il y a là dedans quelque chose qui est son frère, quel amour! Un jour, quand ce voile sera ôté, nous nous connaîtrons comme nous avons été connus. Même aimer un frère, on n'aime pas le frère seulement parce que nous sommes là. J'aime un frère parce que nous nous étions connus. Alléluia. Amen. On ne peut pas aimer quelqu'un si tu ne l'avais jamais aimé avant. Ce que nous vivons n'est que là. Oh frère. Mpangi. Hey. Hey. Laisse-moi un peu parler. Hein. J'ai pas de la connaissance qui peut t'enlever. Quand Jésus viendra, nous connaîtrons c'est que nous, comment nous avions été connus. Et l'homme intérieur s'est bâti de la connaissance. Oh. Oh. Vous savez, dans la Grèce ancienne, on avait écrit sur un temple. Connais-toi toi-même. En grec, on dit Gnotis auton. Gnotis auton. Gnotis auton. C'est-à-dire connaître toi-même. Et les latins, ils parlent. Nos que te epsilum. Nos que te epsilum. Se connaître toi-même. Avant que Platon arrive, on disait connaître toi-même. Tu n'es rien, tu n'es qu'un mortel, tu vas mourir. C'est ce grand philosophe qui a donné le sens à ces mots. Le jour où l'homme connaîtra les bonnes choses que Dieu a placées en lui, les choses qui sont en lui, il changera le monde. Alors il faut que quelqu'un t'amène à ça. Que tu n'es pas né pour être prostitué. Tu n'es pas né pour être ce que tu es. Tu n'es pas né pour fumer la cigarette à pointe noire. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là seulement pour couler de grossesses. Gnoti. Gnoti.
Saoutone. Connaître qui tu es. C'est vrai que le loge, il parle aussi de connaître qui tu es. Mais moi je ne parle pas de ça. Je parle de Jésus-Christ quand il viendra. Nous serions connus. Nous allons connaître comment nous avions été connus. Le christianisme, c'est la connaissance de soi-même. Il y a un enfant qui est né pour terminer. Il est né dans une famille. Grandi dans cette famille. Son père avait beaucoup d'argent. Je vous parle ici de l'histoire du fils prodigue. Hein? Hein? Un jour, il a vu le monde. Comment le monde tournait. Il s'est dit non. Moi je ne peux pas rester seulement là. Rester dans l'église. Comme pendant la période de coronavirus, notre christianisme a été mis à l'épreuve. Beaucoup ont rétrogradé. Beaucoup sont partis. Un homme qui part, c'est parce qu'il ne connaît pas qui il est. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu es venu faire à Pointe-Noire? Pourquoi tu es né dans cette famille-là? Le jour où tu te poseras ces questions-là, et tu commenceras à avoir des réponses. Et c'est pourquoi je parle ici de la sentinelle. Écoutez, ce garçon a dit à son père, et son père c'était un grand démocrate. Oh non, ici je me sens un peu comme coincé. Ça ne va pas. Donnez-moi mon argent, mon héritage, et je vais partir. Et on lui a donné son héritage. Et il est parti. Frère Branham me dit, la chose la plus bizarre, la situation la plus catastrophique, c'est l'enfant d'un riche avec la richesse de son, alors que son propre père n'utilisait pas sa richesse de cette manière. Mais le fils prend la richesse, il va dans des bars, il boit, alors que son père qui a travaillé cet argent n'a pas fait ce qu'elle lui fait. Dieu qui t'a donné le souffle, tu crois que le souffle là il t'a donné ça gratuitement? Il a donné pour un but. Si tu n'étais pas morte à la rivière pendant que les autres étaient là, c'est pour un but. Connaître le but pour lequel tu es sur la terre, c'est cette connaissance là pourquoi je viens à l'église, pourquoi j'ai un pasteur. Voyez frère, quand Dieu te le révèle, nous connaîtrons, nous connaîtrons comment nous avions été connu entre frères, connu comme nous-mêmes, connu avec nos familles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je suis? Nani mukele. Gnotis autone. Gnotis autone. Hein? Noske te. Noske te. Absolum. Donc savoir qui tu es. Zaba nani mukele. Nous connaîtrons. Ce garçon est allé. Tout l'argent fini. Vous savez que les juifs sont comme les musulmans. Ils sont tous des cousins. Les musulmans ne mangent pas le porc. Et les juifs aussi ne mangent pas le porc. Le porc dans la religion hébraïque fait partie des animaux impurs. Parce que le porc, c'est l'un des animaux les plus bizarres. Tu peux le laver. Tu peux mettre le parfum sur sa queue. Tu lui mets même un petit chapeau avec une petite cravate. Tu les mets quelque part. Mon frère, sois là. Vanda wa. Ne bouge pas. Indépendamment. Es-tu levé ou pas? Tu vois seulement dans. C'est trop beau. C'est trop propre.
dans la boue. Na kata poto poto yandina. Il commence à tourner. Il me banda kubaluka. Et quand tu lui poses la question. Na tanga yifrande kiyu. Frère, qu'est-ce que tu fais dans la boue? Yingi na sala kata poto poto. Le porc est étonné. Ngulu me yutu kwa. Tal. Regarde. Il est étonné que je sois dans la boue. Il y a un YouTube qui me voit la tête à poto. Mais ma vie. Maluzingo mono. C'est ça. Yawa. C'est ici que je me sens bien. Nina amuke wanzu tomote. Un animal qui n'aime que la saleté. Qui bouluke zola kaka mvindo. Et un enfant. Et moi na. D'un patron. Yamfumu. Mais quand si. Qui se retrouve. Mekuma. En train de travailler. Kena sala. Dans la porcherie. Un, c'est contre la loi. Deux, c'est contre la religion. Trois, même dans sa propre maison chez son père. Il n'avait jamais fait ça. Vous voyez? Et la Bible dit. Il s'est mis à méditer. Amen. Il s'est mis à méditer. Cette vie ici. L'ozinguyayi. Est-ce que c'est la vie que je dois avoir? Nourrir le cochon. Beaucoup sont en train de nourrir le cochon. Et le cochon ne se rassasie pas. Il a comme mission de coucher avec toutes les petites filles. Aujourd'hui 5. Demain 5. 4, 5. Et ça ne se rassasie pas. Au contraire, ça les détruit. Ça détruit son économie. Ça détruit son argent. Qui vous a dit que le porc se rassasie? Si c'est l'alcool. Oh. D'ailleurs, il y a un vrai soulard qui me disait. Pasteur, l'alcool. On ne se rassasie pas dans le ventre. Mais on se rassasie dans la tête. Parce que tu peux prendre tout un casier. La quantité de liquide que tu descends dans le ventre. Si c'était de l'eau, tu ne peux pas. Mais tu vois quelqu'un qui prend 12 bouteilles. 12 bouteilles. Mais il se rassasie où? Il y en a eu aussi que la tête commence. Et vous avez pitié de lui, Tom. Vous vous dites mais que là, non. C'est fini. Il ne va plus faire ça. Parfois, il tombe même, il est blessé. Vous voyez pas que je suis tombé. Demain, le porc va encore faire. Il va encore retourner. Le porc ne se rassasie jamais. Mais l'enfant, il est rentré en lui-même. Alléluia. Amen. Il a commencé à penser dans la maison de mon père. Même le domestique le plus bas n'a pas ce salaire ici. Pourquoi moi? Laisse-moi retourner chez mon père. Laisse-moi retourner. Qu'il me mette ne fût-ce que domestique. Mais que je ne sois pas loin de sa présence. Voilà la connaissance qui a enlevé quelqu'un de la porcherie à la gloire. C'est cette connaissance de la vérité. Et la vérité là, elle est, frère. Même nous, l'église du Dieu, William Branham disait, le jour où l'épouse connaîtra qui elle est, l'enlèvement aura lieu. Le diable sait qui il est. Dieu sait qui il est. Mais la seule personne qui ne sait pas qui il est, c'est l'épouse du Seigneur. L'enlèvement sera lié le jour où l'épouse reconnaîtra sa position. Qui sommes-nous? On est là seulement en train de se batailler. La lutte d'influence. Dans la ville, c'est moi l'ancien. C'est moi qui prêche mieux. Est-ce que tu te connais? Qui tu es? Est-ce que tu connais le frère qui est là? Hein? Parce que pour me respecter, tu dois me connaître. Et nous connaîtrons comment nous avions été connus.
Aujourd'hui, aimer un frère, il faut que Dieu te le révèle. Même moi qui prêche, combien de fois les gens n'ont pas de l'ifokola sont des magiciens. C'est des pratiquants. Mais il y a des gens qui sont allés à genoux. Seigneur, révèle-moi cet homme. Que je vois qui il est. Et alors, la télévision du ciel s'ouvre. Je lui montre qui j'étais, qui je suis et qui je serai. Là, en ce moment-là, même si les gens parlent, il faut que pratiquant, montre ça là-bas qui si. Lui, Yandi, Makuta Kukangama, parce qu'il a la connaissance. Ça m'en dit ça pour beauté. Une connaissance. Le Zaboum aussi. Qui délivre. Que coula. Une connaissance. Le Zaboum aussi. Frère, même venir à l'église. Bangata Kukui, je n'ai des bouts. Je termine ici. Je dis toujours aux gens. Même croire le message. Tu dois demander à Dieu de te révéler qu'est-ce que le message. Parce qu'un jour, tu risqueras de renier. Hein, avant d'entrer dans un bateau, tu dois connaître la destination. Voilà cette connaissance. Le reniement de l'identité. En Éden et de la restauration de l'identité en ces derniers jours. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Et nous reviendrons les dimanches prochains. Mais rediffusion le mardi pour que tu entendes encore ces choses de la connaissance de nous-mêmes. C'est là où nous allons parler de notre position en Christ. Qui nous sommes? Qu'est-ce que Dieu a fait de nous? Frère, les hommes sont devenus des dieux. Vous allez vivre cela. Et nous prierons, vous allez voir des choses que Dieu va faire. C'est ce que nous sommes. Hein? Crois dans ce que tu es. Crois dans ce que Dieu a voulu que tu sois. C'est cette connaissance-là. Quand tu l'auras, quand tu auras cette vraie connaissance, non pas de la Sophia. Sophia qui est l'intelligence des livres. Connaissance de toi-même. Comme Adam savait qui il était. Mais Ève ne savait pas qui elle était. C'est cette connaissance-là. C'est cette autre connaissance qui revient. Dans la forme de la pierre de fer. Pour nous dire qui nous sommes. Et qu'est-ce que nous allons devenir. Je voudrais pendant ces enseignements te donner de la valeur. Te montrer que tu peux. Là où tu dis que je ne peux pas, je vais te montrer la connaissance. Que tu es quelqu'un que Dieu compte. Tu arriveras. Et là où tu es, laisse-moi prier pour toi. Je voudrais aussi prier pour nos enfants qui vont faire les examens de bac. Si tu es là, et foi, voyez, parce que nous avons la connaissance qui nous enlève de la. De la boue. Avec cette connaissance là, tu ne vas pas tricher aux examens. Et que Dieu te donne les diplômes. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Dieu, donateur de tous les dons excellents, je te remets mon frère, ma soeur qui m'a suivi en ce matin. Change sa vie, Seigneur, par la connaissance de la vérité. Parce qu'il a été dit, ceux qui ont été éclairés, qui ont eu la connaissance de la vérité et qui l'ont reçu, il n'y a plus de pardon de péché. Car mon peuple meurt par manque de connaissance. Nous voulons cette connaissance, Seigneur. Non pas celle qui enfle l'orgueil, mais cette connaissance qui amène un chrétien de la porcherie à la maison du Père. Qui amène un chrétien de bas à la vie sanctifiée. Qui peut prendre une prostituée à faire d'elle une reine dans la maison de Dieu. Seigneur, aide mon frère, celui qui a pris la décision, aide le bénir. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Papa, je te remets nos enfants. Ils vont faire les examens. Tu as dit par ton prophète. Parfois nos enfants ne réussissent pas. Parce que nous ne prions pas pour eux. Je viens en tant que pasteur, serviteur de Dieu aussi en tant que père, prier pour nos enfants. Laisse qu'ils réussissent dans leurs examens. Au nom de Jésus-Christ. Écarte tout ce que le diable peut faire. Que ces enfants reviennent avec un témoignage. Que tu leur as donné les diplômes. Nous sommes dans des conditions un peu difficiles. Des conditions
situation particulière, il y a des maladies à côté, mais garde nos enfants qu'ils réussissent dans ce qu'ils vont faire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Rediffusion mardi et la continuité le dimanche prochain. À tous et à toutes, shalom. Pour garder tout ce qui t'appartient. Oh.